Une soirée placée sous le signe de l'humour. Michael Youn reprend son mégaphone pour l'émission Le Morning Night, diffusée ce jeudi 2 novembre sur M6. Entouré de ses complices de toujours Vincent Dessagna et Benjamin Morgan, l'animateur le plus déjanté de la sixième chaîne remet au goût du jour les défis et les parodies du Morning Live, programme matinal culte du début des années 2000. Loin des plateaux de télévision et de tournage, Michael Youn est un homme comblé et amoureux. Depuis 2008, le comédien partage la vie d'Isabelle Funaro, la mère de ses deux enfants Seven, né en juin 2011, et Stellar, né en juillet 2019. Avant que l'ex-mannequin ne tombe sous le charme du légendaire trublion de M6, elle a été en couple avec Pascal Obispo, de 17 ans son aîné. Les anciens tourtereaux se sont rencontrés à la fin des années 1990. Le coup de foudre étant immédiat, l'ancien top modèle et le chanteur ont annoncé leur fiançailles, le 31 décembre 1999. 4 mois plus tard, ils se sont dit oui lors d'une cérémonie intime organisée à la mairie du 16e arrondissement de Paris. Ce nouveau millénaire a véritablement chamboulé la vie de Pascal Obispo et Isabelle Funaro. Le 11 octobre 2000, les ex-époux sont devenus les heureux parents d'un petit garçon, prénommé Sean. Fou de joie de naissance, le chanteur lui a d'ailleurs dédié la chanson Millésime, sortie en 2001. Mais après plusieurs années de vie commune, ils ont décidé de mettre un terme à leur relation en 2005. Bien que séparés, Pascal Obispo et Isabelle Funaro sont restés en très bons termes. Preuve en est. Lors de la fête des pères, le 18 juin dernier, l'actrice de 41 ans a repartagé une ancienne publication de 2017 sur laquelle elle fêtait déjà un Happy Father's Day à Pascal Obispo et Michael Youn. Un post qui en dit long sur l'affection que se portent encore les anciens mariés. Supérieur à supérieur à Michael Youn, les femmes de sa vie et Michael Youn, ses tendres confidences sur sa famille recomposée à 49 ans, Michael Youn est à la tête d'une joyeuse famille recomposée. Depuis qu'il partage la vie d'Isabelle Funaro, le comédien est l'heureux beau-papa de Sean. Le considérant comme son propre fils, Michael Youn avait donné quelques détails sur leur relation dans l'émission À l'état sauvage, en 2016. Il a 15 ans, mais comme ça fait 10 ans que je suis avec Isabelle, je l'aimais comme si c'était mon fils. Il a un vrai papa, il a un super papa qui l'aimait grave. Mais moi si est mon meilleur pote, si est un truc assez indescriptible d'ailleurs. Et lorsqu'il est question de parler de ses deux enfants, Michael Youn tombe une nouvelle fois le masque pour dévoiler une facette beaucoup plus sensible de sa personnalité. Ils sont adorables mes enfants, ils sont pleins de lumière et d'énergie, a-t-il déclaré avec tendresse dans les colonnes de Téléstar, le 17 avril dernier. Michael Youn a décroché le plus beau rôle de sa vie en devenant père et beau-père. Crédit photo, Cyril Moreau. I just need